Bonsoir mes lucioles, là j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir sur ma chaîne pour un nouveau unboxing ou découverte des box. J'ai eu le plaisir de retrouver chez moi en arrivant, bon certes dans un état lamentable en ce qui concerne la poste, mais bon ça arrive. Ta beauté, voilà. C'est vraiment, je pense, la box que je préfère. C'est celle où je suis la plus rarement déçue. Donc vous n'imaginez même pas l'état dans lequel je suis d'excitation. Donc j'ai une tenue qui est absolument horrible. Mais en fait, on vient me chercher juste après pour aller à la salle de sport. Donc c'est pour la bonne cause si je n'ai pas de style ce soir. Voilà, comme ça c'est dit, hein, on fait un petit disclaimer. Il n'y aura pas de remarques désobligeantes, en tout cas je l'espère. On va commencer sans plus tarder. Comme je vous l'ai dit, on fait des vidéos plus courtes aujourd'hui, donc on essaye d'être efficace. Donc on a toujours la boîte, hein, donc je vous dis dans un état lamentable. On a des petits zigouigouis là, les petits bouts en... les petits bouts noirs qui vous tachent les doigts, les affaires, et voilà, qui tombent par terre partout. Juste deux secondes, je fais énormément de bruit, je sors le pochon, après on n'en parle plus. Alors, c'est un total look black, pourtant... c'est février, c'est la Saint-Valentin, moi je m'attendais à du rose, bon, c'est pas grave, le black, le noir, tout ça, c'est chic, c'est design, c'est intemporel, hein, on va bien lui trouver une utilité, ce petit pochon. J'ai aussi une grande nouvelle, normalement, si tout va bien, je vais déménager donc le mois prochain, je vais réintégrer l'habitation avec ma mère, donc je sais pas encore comment ça va se passer, mais on va travailler et vivre au même endroit, on a vraiment trouvé un beau produit. On attend de savoir si c'est accepté parce qu'en fait on va faire un bail commercial. Mais en tout cas vous allez avoir plus de déco, plus d'espace. Voilà, on sera dans un autre environnement. J'espère qu'il va vraiment vous plaire. En tout cas moi si c'est celui-là, je suis déjà mais aux anges. Alors, le premier produit que je prends, c'est le Nature Efficience Eyes Effect. C'est un soin-yeux complet anti-rides, anti-poche, anti-cerne. J'en parlais justement à ma mère qui me disait gentiment qu'à 25 ans, il faudrait peut-être que je commence. Je lui ai dit, bah, heureusement que je ne t'ai pas attendue. Donc bah, ça tombe bien, c'est le premier produit sur le dépliant. C'est un soin spécifique complet, donc qui prévient aussi bien les signes de fatigue, poche, cerne, que les signes de vieillissement, les rides. Il s'adapte à toutes les peaux, même les plus sensibles, convient au maquillage et le maintien en place. Donc pour les 15 ml, on est déjà à 56 €. J'ai déjà ma box qui a été remboursée, donc je suis contente. Alors, la deuxième chose, alors c'est de Beauté Live Paris. Je suis vernie. Donc c'est un beau rose pétant poupée Barbie. Donc c'est un 10 ml. C'est de la marque du Guiran. Voilà, Guiran. Donc il coûte 5 €, ce sont des teintes acidulées, chic, tendres, sombres ou lumineuses, un vrai vernis longue durée et longue tenue, près de 80 teintes n'attendent que vous afin de sublimer vos ongles. Donc bah, on va voir sa tenue, pas aujourd'hui parce que j'ai toujours mon molle Lollipop qui a plutôt bien tenu, donc je vais en profiter pour une fois que j'ai le droit à une soirée où je le fais pas. Alors, le prochain produit, c'est de la marque Eau Solution, donc on avait eu la crème Yeux, il me semble. Donc là, il y a écrit derrière « Take Risks » avec un petit cadeau, « Découvre ton cadeau, astuces et infos, plus les ingrédients ». Donc c'est un soin visage multi-action sur mesure pour peau mixte et grasse, donc déjà ça correspond à la mienne, j'apprécie. Matifie, régule, lisse et affine, anti-imperfection et oxydant. Donc ça, ça va vite intégrer, je pense, ma routine. Donc une peau nette en toutes circonstances, hein, crème fluide avec un toucher poudré. On est pour 30 ml, 34 € quand même. Hein. Donc là encore, rien qu'avec ce produit-là, la boîte était remboursée. Alors ça, par contre, j'en ai un peu marre. Les produits de la marque Chai sont peut-être très bien, mais j'en ai vraiment marre d'avoir ça. Là, dans le meuble derrière moi, je dois en avoir au moins une dizaine. Donc c'est le Total Protect Defense Lotion. Donc c'est un bouclier pour les cheveux. Hein. C'est cool, j'ai envie de dire, mais si tu savais combien j'en ai encore qui sont pas entamés. Donc, on est sur 59 ml, donc là, hein, ce format-là, on est à 11,90 €. Oui, Marine, tu es fatiguée, je sais. Heureusement que c'est pas un produit en verre qui est tombé. Alors, ah, du rose. Voilà. J'ai mon petit produit rose quand même pour la Saint-Valentin. Alors, c'est la marque Algo Vital. Donc, c'est Algorescence Sérum Régénérant aux huiles d'argan
et au rosier muscat. Alors cette marque là, dans la boîte à beauté, on avait eu un sérum que j'avais tout simplement mais adoré. En plus il y a le label cosmétique bio, donc c'est très très bien. Si vous avez une peau qui est à tendance déshydratée à certains endroits comme moi, vraiment ça, ce genre de sérum, c'est un pansement quoi, c'est le truc SOS à aller chercher dans ta routine. Voilà, si t'as un truc à aller chercher, Gertrude, c'est ça. Alors par contre, on est sur 30 ml, 44 euros. Donc c'est vrai que quand j'avais vu les prix, je m'étais dit, bon, t'as aimé, c'est bien, mais par contre le prix, voilà, ça correspond pas à ce que j'ai dans ma routine si je l'ai pas dans les boîtes. Donc je suis ravie de le retrouver là. Après, on a un gel douche en 50 ml, donc de la marque Brittany, Côte d'Amour, gel douche bienveillant à la fleur de bleuet. Donc je sais que la fleur de bleuet est anti-congestionnante, donc notamment au niveau des yeux, quand vous avez les yeux irrités ou congestionnés, vous avez pleuré, vous avez une petite nuit, vous pouvez l'appliquer sur en fait des cotons et le laisser poser. Donc, riche en tanins, elle adoucit la peau, porte bien son nom, procure une sensation de fraîcheur, fabriqué en Bretagne, certifié bio. Donc on est à 12,90€. Ils se sont déchirés sur le montant total de la box, c'est un truc de fou quand même. Hein. C'est bien la seule boîte, c'est bien, ils disent la sélection de nos meilleurs produits du moment, et franchement j'ai envie de les croire parce que il n'y a rien à redire, hein, tout simplement. Mis à part la teinte du vernis qui n'est pas exceptionnel, mais bon, détail. Alors là, c'est Terdoc, rouge à lèvres. Au Maroc, les femmes utilisent donc le hacker, petite coupelle de terre cuite enduite de poudre de coquelicot et d'écorce de grenade pour orner leurs lèvres. Bon, d'accord, ok. Donc il y a de l'huile et du beurre d'argan. Il fait 4 grammes, il est tout petit, tout mignon. Et il coûtait 13,95€. J'ai la teinte 202. Alors niveau packaging, par contre, un petit peu dur à ouvrir. Ouh là 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 là. Ouh, ça m'a l'air bien. Regardez-moi ça. Ouh là là. Un swatch obligatoire. Bon, c'est pas très très pigmenté, faut repasser plusieurs fois. Par contre, c'est très hydratant. C'est assez naturel. Moi, je pense que ça capte bien la lumière. C'est hydratant, comme je vous dis, regardez, sur un passage, on est quand même sur quelque chose de très très clair, hein. Un passage, plusieurs passages, donc vous pouvez avoir la sensation juste un petit baume qui va rehausser un tout petit peu les lèvres, ou alors là vous êtes pour moi sur un vrai rouge à lèvres. Mais en tout cas, je suis ravie de cette box, après Glossy Box qui était en demi-teinte personnellement, quand j'ai vu les autres produits que j'aurais pu avoir, on va pas revenir là-dessus, je suis vraiment 100% satisfaite de celle-ci, je continue mon abonnement, ma boîte à beauté, si tu m'entends, si tu me vois, je t'aime, reste comme tu es, s'il te plaît. Allez mes lucioles, j'arrête mes bêtises, je vais aller me dépenser un petit peu au sport parce que je pense que j'ai de l'énergie. En tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de vous parler, d'avoir vos retours. Donc, est-ce que vous l'avez déjà eu et qu'est-ce que vous avez eu? Je suis curieuse, hein, comme d'hab. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao.